L'affaire de Rennes-le-Château, c'est l'histoire d'un homme, Béranger Saunière, qui arrive dans ce village en 1885. C'est un curé de 33 ans. Et ce curé va défrayer la chronique locale dans un premier temps, puisque quelques temps après son arrivée, il va se lancer dans toute une série de constructions assez étonnantes. À l'aube du XXe siècle, il va se mettre à bâtir tout un domaine mystérieux. Une villa style Renaissance, une tour néo-gothique, Magdala, une tour en verre, un belvédère. Très vite, au sein des villageois qui sont de pauvres paysans, va courir la rumeur qu'il a trouvé un trésor. Progressivement, on va venir de toute la France et puis hors des frontières françaises pour chercher le trésor qui expliquerait ces dépenses inexpliquées pour un pauvre curé de campagne. Alors l'enquête, elle s'est étendue sur des décennies et au fil des décennies, on s'est rendu compte que le secret de Saunière, il dépassait très certainement la découverte d'un trésor matériel, que sa fortune, son destin très étrange, était plutôt lié à la découverte d'un secret millénaire. S'il y a un homme qui connaissait le secret de Rennes-le-Château, c'est Pierre Plantard. Pierre Plantard, il a créé une sorte de fable littéraire autour de cette figure de l'abbé Saunière. On l'a pris pour un imposteur, mais quand on prend le temps d'étudier son œuvre, on se rend compte qu'elle est garnie de symboles. Quand on attrape le fil d'Ariane et qu'on remonte jusqu'au centre de ce labyrinthe, on trouve quelque chose qui nous dépasse complètement. Plantard serait arrivé jusqu'au tombeau de la reine endormie. Il aurait vu ce miracle vivant, souterrain. Quand on est en présence de ça, on est en présence, j'allais dire, de quelque chose qui remet fondamentalement en question toutes les croyances liées à la fois à l'histoire humaine, mais aussi à la spiritualité et à la religion. On remonte en quelque sorte à l'origine de toutes les religions.
Cette région, c'est comme si elle était parcourue par un chemin perdu, un chemin sur lequel se trouve un certain nombre de symboles destinés à ceux qui sauront les lire. J'ai passé plus de 20 ans de mon existence à essayer de comprendre et de résoudre l'énigme de Rennes-le-Château. 20 ans passés sur le terrain, mais aussi en archives. Au bout de ces 20 ans, et suite à certaines publications et communications de ma part, une femme est rentrée en contact avec moi. Une femme étonnante, mystérieuse, qui m'a apporté des informations, qui m'a montré des choses. Ces choses-là, non seulement confirment tout ce que j'avais entrevu jusqu'à présent, mais en plus, ouvre la porte, nous met en contact avec une vérité qui nous dépasse. S'il y a une chose dont je suis sûr à propos de cette femme, c'est qu'elle est liée, d'une façon ou d'une autre, à ceux qui savent.